Bonjour et bienvenue sur One Up To Play. Aujourd'hui, une vidéo où je vais vous présenter les cases, les étuis PlayStation Vita qu'on utilise. Donc, il y en a deux. On a celui-là ici qui est mon étui à moi que j'utilise le plus souvent lorsque je déplace ma PlayStation Vita. Je crois que c'est un produit officiel. Donc, vous voyez, c'est un matériel qui semble être un cuir, c'est pas du tout du cuir. En fait, celui-ci vient avec une plus grosse pochette qu'on peut coller. Vous voyez, il y a du velcro ici. Et on peut mettre les accessoires de la PlayStation Vita dans cette plus grosse pochette. Mais je n'utilise pas cette plus grosse pochette. Je laisse seulement que la Vita ici comme ça. On va l'ouvrir ensemble. Donc, il y a un endroit pour mettre les cartouches. Donc, un peu de poussière, par exemple, ici. Et là, vous voyez, vous avez ceci, vous pouvez tirer et votre PlayStation Vita sort. Donc, les deux modèles de PlayStation Vita. Fit, pour dire en anglais, à l'intérieur. Vous voyez, un peu de rembourrage. Jamais eu de problème, jamais eu d'égratignure ou quoi que ce soit sur nos PlayStation Vita lorsque on a utilisé ce case. Donc, très cool. Il est comme un peu plus padé ici, là où il y a l'écran. Donc, très cool. Donc, ça, c'est mon case, mon étui. Le premier, c'est que j'utilise le plus. On en a un autre ici, qui est. Oh, le focus, c'est dur à faire. On a perdu le focus un peu. OK, désolé. Donc, celui-là ici, que vous avez vu sûrement en boutique, hein, il était disponible. Donc, c'est un petit case. Ça, c'est celui d'Isaac et également ma copine, celui-là. Donc, un tissu un peu plus, on dirait, imperméable. Il y a une petite attache ici, on va l'ouvrir. Vous voyez, celui-là est avec un zip, contrairement à l'autre qui est un velcro. La PlayStation Vita qui fait très bien l'intérieur. Vous voyez, lui, je ne sais pas si vous voyez. À l'intérieur, c'est doux, il y a beaucoup de padding. Oh, il y a même une petite cartouche ici d'Assassin's Creed. Ah! Donc, ici, il y a un endroit pour mettre des petites cartouches, comme vous avez vu, et une autre petite pochette. Je vais vous montrer ici qu'on peut mettre des petites cartouches. Voilà, comme ça. Donc, voilà, c'est vraiment un essentiel hein, pour si vous avez une PlayStation Vita, d'avoir un étui pour être capable de la transporter, de pas la maganer, de l'égratigner. Aucune de nos PlayStation Vita n'ont un écran de protection. La vitre est assez résistante et on y fait attention. Sinon, vous pouvez installer quand même une vitre de protection sur la PlayStation Vita. Mais je dirais que ça va peut-être jouer sur les couleurs, l'affichage de la Vita. Donc voilà, deux cases de PlayStation Vita. Je sais qu'il y en existe énormément. Il y en a des super beaux, des coloris et tout, là. Il y en a un ou deux que j'ai l'intention de commander sur Amazon Japan. Donc, si ça donne, je vous ferai une petite vidéo de présentation. Donc, merci d'avoir regardé les vidéos. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu dans les airs, partager avec vos amis un commentaire sur ça. À la prochaine!